Les potes, aujourd'hui vidéo très spéciale. Je viens de recevoir ma paire de rêves. J'ai la boîte juste là. J'avoue, je me suis payé, je me suis offert ma petite paire de rêves. J'espère que vous allez kiffer. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Franchement, moi je kiffe. Geoffrey, est-ce que tu kiffes la paire? Incroyable. C'est beau, t'aimes bien la paire ou pas? J'adore. T'aimes bien? Vraiment, les genre plein de couleurs comme ça. La paire que je me suis achetée là il y a deux jours. Regardez, on va se caler là-haut. Je vais vous montrer la paire. Elle est incroyable, elle est là. En fait, il y a plein de couleurs. C'est une paire un peu été, un peu stylée, un peu franchement en mode. Moi, je kiffe. Mal aux jambes, Geoffrey, il était en train de préparer les commandes du site internet comme tous les jours, comme vous avez l'habitude de voir de toute façon. Merci à tous ceux qui commandent sur le site, c'est incroyable. Et un énorme projet arrive très 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 bientôt, ça va être ouf. Oh là 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 là, c'est toute beauté. Ok, j'ai cherché un petit trépied parce qu'en vrai, j'allais poser la cam à l'arrache. Et normalement, j'en ai un, normalement. Oh, ça c'est beau ça. Ça, normalement, c'est beau. Ok. Non, mon tel. Désolé, je vous ai fait tomber les potes, pas les gars, ça va. Je ferai un fond de voiture. Je suis en train de regarder des E36 alors je m'en prendrai pas. Parce que en ce moment j'ai rêvé d'une E36 mec, cette nuit. Gros, j'ai rêvé que j'étais en train de drifter en E36. J'ai trop envie de me prendre une drifteuse. Je ferai de se prendre une petite voiture de drift pour se faire kiffer. Ce serait un rêve gros d'avoir une voiture pour drifter. Ce serait juste une petite voiture, c'est que tu peux faire ce que tu veux avec. Une voiture, j'en m'en fous. Ouais, genre au moins tu peux même la casser ou pas, tu t'en. Ouais, c'est ça, une voiture, j'en ai vraiment rien à faire. Moi là j'ai une petite paire où je peux m'en fiche, genre je peux faire un peu. Qui vaut le prix de la voiture. Non, en vrai, je crois qu'elle vaut à peu près 2000 ans. Ouais, elle vaut le prix d'une E36. Ouais. Oh là, ça cote, ça commence à. Mais ça prend le chevaux d'une E36. Je te promets que t'en trouves à moins de 3000 balles. Hein. Et c'est combien une E36? Enfin, combien de chevaux? Ça dépend des modèles, tu vois. Mais là, le modèle que je viens de voir, il a 192. Bon, du coup, mon gars, est-ce qu'à ton avis, ça se casse dedans? En vrai, je pense, ouais. Cette boîte, elle est pour plusieurs paires ou elle est que pour cette paire? Non, elle est pour plusieurs paires, mais ah, okay. La plupart du temps. Tu vois cette paire-là, si en plus. Ah, mon gars! Si en plus tu fais une vidéo, c'est que c'est pas n'importe quelle paire, donc on sait. Bah, il y a de la couleur, quoi. J'arrive pas à savoir. Ok, ça c'est une paire que je vais depuis longtemps. Elle existe en coffret, un beau coffret. Oh ouais, j'ai pas pris le coffret, ça sert à rien. Enfin, je suis pas un sneaker addict. Et je crois que le coffret en plus il est deux fois plus cher. Genre. Ouais, il vaut 1000 balles de plus. Ouais, c'est 1000 balles de plus pour le coffret, ça sert à rien. Et c'est un truc de glace. T'as teasé là. Mon gars. Attends. Oh my god, Katema, Ben et Jerry. Eh, t'es plus Magnum ou Ben et Jerry? En vrai, là, ça dépend. Les Magnum, c'est trop bon. Parce que le double chocolat caramel. Magnum, ce que je prends, moi, c'est chocolat blanc. Amande, Magnum, amande. Amande, c'est le classique, mais il est trop bon. Ouais, chocolat blanc. Chocolat blanc, il est bon. Moi, je prends chocolat blanc et chez Ben et Jerry, je prends cookie dough chip. Oh, mon gars. Oh là là. Oh, c'est le cookie, mec, il est incroyable. Ouais, cookie dough. Attends, mais c'est quoi? Il y a Ben et Jerry, c'est quoi l'autre déjà? C'est Agengas. 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 Je préfère Ben et Jerry qu'Agengas. Ben quoi, Christian? J'ai dit je préfère Ben et Jerry qu'à Gengas. Agengas. Agendads. Agendags. 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 Agendags, mais ça dit Agendas. Je vais voir la paire un peu plus en détail. En fait, regardez ici. Ici, il y a du vrai poil. Non, je pense c'est pas. Je sais pas si c'est vrai. Non, c'est les poils du torse d'Antoine. Il se les a rasés, il les a mis dessus. Non, mais je sais pas si c'est des vrais ou du faux, tu penses? Non, je pense que c'est du faux. En vrai, ça sent. Regarde l'odeur. Ça sent le. Attends, mousse. Ça sent la mer, mec. Attends. Ça sent l'eau salée. T'as vu? Ça sent l'eau salée, mec. Ça sent la même odeur que lorsqu'on est à Saint-Malo. Mec, non, pas du tout. Je te jure, ça sent l'eau salée. La mer. Ça sent la vraie sneaker. Ouais. Ça sent la colle. C'est la colle, en fait. Bah, je sais pas. En tout cas, c'est tout doux. En fait, du coup, regardez, en fait, ici, sur là où il y a de la. Mais Agendas, ils ont pas ça sur leur. Sur la vache. Mais ah, si, ils ont de la vache. Ouais, en vrai, c'est un peu la couleur du pot. Le pot il est un peu comme ça. Le pot il est comme ça. Je crois, je sais plus. Il y a de la vache dessus. Bref, voilà, il y a le pot. Donc là il y a le petit neck avec de la. Comme si ça coulait en fait. C'est comme si ça coulait comme la glace en fait. Comme la glace quand elle fond. Ouais, voilà, quand elle fond, mec. En vrai, mec, pour l'été, mec, elle est incroyable. Mais du coup, tu vas les prendre pour les vacances? Non, j'ai pas de la lumière. Gros, ça va. Y a, si on va avec vous là-bas. Arracher. Mais de ouf, mec. Elle est trop belle. Et à la fin. Je trouve vraiment que c'est une paire d'exception, genre. Ouais, mais t'as tes grands pieds. Elle est bien. Elle est belle, non? C'est pas une paire pionnière de. Des sneakers. Pionnière, mais... qu'est-ce que t'appelles première? Pionnière, c'est des paires un peu cultes des sneakers. Ouais. Ah non, elle est pas culte, mais c'est des belles collabs quoi. Mais elle est bien cotée, ouais. Non, mais tu sais ce qui est dommage, c'est qu'il a des pieds de fourrin. Non, regarde, elle a 45, ça va 45, non. Mec. Donc la paire, il y a des petites étiquettes juste là. Ce qui est bien, regardez, c'est qu'il y a les lacets. Rends-moi ma paire.
Tu peux mettre le jaune et le vert. Toi, t'aurais mis quoi, Geoffrey? J'aurais mis. Alors, moi, j'aime bien. Dès que je suis saoulé, en fait. Ouais. En fait, moi, ce que j'aime, ce que je kiffe faire par-dessus. Après, ça fait faire trop de couleurs. C'est que je change. Je change tout. Première chose que je fais quand j'ai une vraie paire, gros, quand même. Tu changes les lacets? Changer les lacets. Parce que je sais pas, j'aime bien avoir ma touche sur la paire. Ta petite touche. Et ce que je fais, je mettrais une paire verte et une paire jaune. Et quand je suis saoulé, il y a deux lacets jaunes et deux lacets verts. Mais imagine les lacets jaunes avec le logo jaune. Ouais. Ah, t'aurais mis une jaune et une verte? Ouais. Bah, de toute façon, t'as pas le choix. Si, il y a deux. Il y a les deux. Ouais, non, c'est classique. J'aime bien classique. Il y a un cool. Ben & Jerry's is Nike SB. Oh là 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 là. Tu sais que du coup c'est des Nike skateboarding, faut que tu fasses ouais, de la trotte avec. Faut que tu fasses du skateboard avec. Ou de la trotte. T'es mal avant. Oui. Bah toute la paire, toute la partie vache, elle a de. Elle a toute la vachette. Hein. En vrai c'est stylé, elle est incroyable la paire. Eh, je la voulais de ouf. Je me suis enfin acheté ma paire de rêve et je suis trop content. C'était une. Ah, alors l'une des paires. Même si de base vous connaissez hein, mon style de paire normalement c'est Air Force One, Air Force One Live, tu vois. Ma petite collection d'Air Force One, elle est en train d'augmenter. Je vous montre pas tout pour l'instant, vous allez voir. Mais l'objectif c'est d'avoir mes paires préférées d'Air Force One. J'achète pas une Air Force One pour acheter une Air Force One. J'achète une Air Force One quand j'aime la paire. Il y a des paires par exemple d'Air Force One que j'aime pas du tout, mais je sais pas, j'en ai pas en tête, mais il y en a sont pas belles. Hein. Y en a sont. Moi je les prends pas. C'est juste que par exemple tu vois il y a la. Je l'aime pas trop la off-white. Il y a quoi comme couleur déjà en off-white? Il y a alors t'as la noire. T'as la bleue, la noire. La noire celle que j'ai. Ouais. T'as la bleue, t'as la jaune, t'as la verte, t'as la jaune fluo, t'as la jaune comme ouais, si c'est la bleue. Verte que j'aime pas trop, la jaune. T'as la jaune comme ça, ouais, la jaune comme ça, et la jaune fluo. Et il y a la nouvelle jaune là qui vient de sortir, la jaune. Ouais, c'est ça, la jaune comme ça. Ouais, ouais c'est la ça. Jaune comme ça, là, incroyable. Non, elle est plus comme ça, genre. Ouais, comme voilà. Ça, elle est jaune. Alors que l'autre, elle est jaune fluo verte en fait. Elle est incroyable, mais je la trouve pépite là. Et là, je l'ai commandé là. En tout cas, dites-moi ce que vous pensez, vous, de cette paire. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Si vous aimez bien, oui ou non, mettez votre petit like. Moi, je vous dis à une prochaine vidéo. Bah, non, maintenant. Ouais, faut au moins que tu la portes la paire. Faut jamais que tu fasses. Faut que tu fasses un outfit. Non, faut que tu fasses un outfit. Et tu sais quoi? Mais pas dans cette vidéo. Si, tu passes à la fin de la vidéo, tu fais une petite reveal d'un outfit. En et gros, tu te débrouilles. Et gros, tu te débrouilles. La paire, ni moi ni Thibautède. Tu vas dans ton. Ah, ça veut dire quoi ça? Tu vas dans ta garde-robe. Et tu fais toi un outfit. Tout de suite là. Tout de suite. Pour finir la vidéo. Pour finir la vidéo. Ok. Pour cette paire. Donc là, je vais dans mes affaires, je fais un petit outfit et je ressors avec cette paire. Et il faut que tu fasses un outfit que tu trouves vraiment, vraiment, vraiment au max avec. Au max avec. Ouais. Ok, style un peu chill. Ça va être un outfit chill pour aller se balader, chill. Style, tu vois, quand tu vas porter la paire. Quand tu vas en soirée, que t'as envie d'être un peu bien sapé, tu vois. Mais une soirée chill entre potes, tu vois. Ou alors non plus en mode. Tu sors au bord de la plage le soir avec tes potes, tu sais, ouais. pour aller boire un verre ou quoi. Un date avec une meuf. Un date avec ça là. Ouais. Non, un date style. Vas-y, bah mets une tenue. Et après avec Thibaut, on va la juger. Ok, Antoine, il a fini sa tenue. Il se désirait. Hein. T'arrives ou pas? Bon, en vrai, ça passe, hein. En vrai, il manquerait la casquette camo, je pense. Pour le vert. T'as pas une casquette jaune, gros? Camo, ça fait trop de couleurs après, mec. Fou, t'as pas une casquette jaune? Alors, t'en penses quoi? En vrai, c'est pas mal. En vrai, j'aime bien. Le bleu, c'est exactement. Bon, alors, par contre, c'est pas pour sortir, pour aller. C'est, là, c'est plus en mode. Tu sais, tu sors l'après, mais avec tes potes pour aller boire une glace ou pour aller. Pour aller boire une glace. Non, mais bah si, pour aller boire les trucs à glacer, là. Ouais, aller manger une glace. Manger une glace. Mais non. Mais sucer une glace, alors. Ouais, voilà. Non, en vrai, ça passe bien. Non, mais tu sais, pour aller chill, tu vois. T'es là sur le bord de plage avec tes potes pour rigoler. Ouais, tu vois. Non, franchement, elle est vraiment chill. Tu vois, le short bleu pour le bleu de la paire. Ouais, ça va bien. Le jaune avec le t-shirt. Carré, hein. Ouais. Je pense vraiment, il manquerait peut-être une petite touche de. Ouais, je sais pas. Une touche de flow. De vert. Qu'il n'a pas. Ok, je rigole. Eh, potes, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Moi, je vais tuer Thibaut. Et on espère qu'il sera vivant encore. Ah, non, arrête.